Charlotte, tu es en train de traverser toute la vallée de la Maurienne. C'est magnifique. En direction de Bonneval, t'en prends plein les yeux, j'ai l'impression. Non. C'est une barre symbolique franchie lundi. 17,01 degrés de moyenne sur la Terre, record de chaleur absolue battu hier. 17,18 degrés. On n'a jamais eu en moyenne à la surface du globe une température aussi élevée. 7 Français sur 10 assurent ressentir le changement climatique au quotidien, selon un sondage Odoxa. Et pourtant, ils se ruent toujours sur les vieux diesels, montre une enquête du journal Le Parisien. La raison, c'est le prix des occasions et du litre de gazole, qui est à peu près 20 centimes moins cher que celui d'essence. Ces chiffres records sont issus de premières mesures d'un observatoire météorologique américain qui recense et analyse les températures dans le monde entier. Hier, dans de nombreuses régions du globe, comme on peut le voir en rouge sur cette carte, elles ont été bien plus élevées que les normales de saison au Canada, en Russie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et même en Antarctique. Il faut savoir que la météo, alors on en parle comme ça, mais c'est que ça influence toute notre vie, oui. Tout le temps, même au niveau des élections. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand il y a eu les élections présidentielles, je vous disais, s'il fait beau, en général, les gens viennent plus voter. Moi, je pensais que c'était l'inverse. Eh bien non, si par exemple, on prend 3 degrés au niveau des températures, c'est 1% de moins d'abstention. Ça joue à tous les niveaux. Ah, oui. Alors, on a une profession aussi, alors là, qui est météo-sensible de dingue. Moi, je vois ici, ils me harcèlent, ce sont les comédiens. J'ai eu un moment de... Parce que vous savez, le comédien, quand ils arrivent le mercredi, ils disent oh, « il va faire quel temps ?» Parce que comme le ça, mercredi comme pluvieux, c'est un acteur heureux. Ah, bah oui, ça, forcément, hein. Puisque taux de fréquentation des salles, quand il pleut, eh ben écoutez, voilà, c'est plus 30%. La météo, là, en revanche, moi, je vous fais peur régulièrement, ce que vous dites « Ah, qu'elles disent pas qu'il fait pas beau chez nous !» Parce que, regardez, il suffit qu'on annonce de la pluie, au niveau des réservations, c'est moins 10-15%. En revanche, si on annonce du soleil, énorme, c'est plus 30%. Valérie. J'ai un pouvoir de dingue. On a enregistré des records de température au mois de juin, particulièrement dans les océans. On a battu des records de température en Thaïlande, au Vietnam, en Birmanie, en Chine. Plus près de nous, le mois de juin 2023 est le mois le plus chaud en Grande-Bretagne. C'est des lunettes de vue que vous avez là ou pas ? Ce sont des lunettes parce que votre lumière est tellement épouvantable. Merci. C'est bien fait de poser la question. Bon. Ça, c'est la guirba. C'est notre frigidaire du désert, ça rafraîchit l'eau. On peut y mettre jusqu'à 20 litres. Je le remplis avec ce tuyau et en quelques heures, l'eau est fraîche. On l'a fabriqué nous-mêmes, on a trouvé le cadavre de l'animal et on l'a transformé en fontaine. Le 8. Pour avoir de l'eau sur la Lune. Le bidet ? C'est le bidet ! J'avais mal réglé mon bidet. C'est bizarre, d'un coup je me sens beaucoup plus frais. Une image insolite, des insectes envahissent New York et se baladent depuis une semaine de Manhattan à Brooklyn. Ces hordes de pucerons ne sont pas dangereuses, rassurent les scientifiques, mais ces minuscules bestioles pourraient se multiplier très vite et donc continuer à hanter les rues. En Nouvelle-Zélande, une grande chaîne de télévision s'est fait taper sur les doigts par le gendarme de l'audiovisuel néo-zélandais, leur CSA, pour avoir diffusé à une heure où les enfants regardent encore la télé, un documentaire animalier avec une scène d'accouplement de dauphins. Or, comment s'accouplent les dauphins ? Eh bien, on voit plusieurs, beaucoup de mâles qui entourent une femelle isolée de force et qui vont s'accoupler avec elle chacun à leur tour plusieurs fois. Hier, il y a un juge qui a eu du sursis. Sa peine a été réduite en appel, il vendait sa fille sur Internet pour des plaisirs sexuels. Il a eu du sursis, bordel de merde. Et tu mets un mec pour une canette de Red Bull au placard. Mais dans quel monde on vit ? Mais dans quel monde on vit ? À un moment, on voit même un pénis de dauphin dans l'image. Les enfants ne peuvent pas regarder ça tout seuls, a dit le gendarme de la télévision. Il fallait mettre au moins un avertissement de type « certaines scènes peuvent choquer ». Ce à quoi les réalisateurs de ce documentaire animalier ont répondu quelque chose de très intelligent. Il ne faut pas juger cette scène avec notre sensibilité d'humain.
Nous, on voit clairement un viol en réunion, on trouve ça horrible, mais la nature n'est pas morale, elle n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise, elle l'est. Et il s'agit de comprendre ce qui se passe. Impossible de ne pas être attendri par sa réaction presque humaine. Si Vanilla, 28 ans, s'émerveille autant, c'est qu'elle voit le ciel pour la première fois. Après une vie en captivité, des années enfermée dans une cage sans même voir la lumière du jour, ce chimpanzé de laboratoire retrouve soudainement la liberté, celle de marcher en pleine nature, là encore comme un homme. Une nouvelle vie grâce au sanctuaire Save the Chimps, qui vient au secours de plus de 200 primates en leur offrant un refuge et des soins en Floride. Thomas, est-ce que vous êtes capable de manger une tarte au citron sans les mains le plus rapidement possible? Oui, c'est très chic. C'est très chic, avec les lunettes qui vont avec pour ne pas s'en mettre mais dans les yeux. Possible. Et c'est ce qu'ont tenté de faire 25 Américains hier lors du championnat mondial de dégustation de tarte au citron vert, c'est en Floride. Le gagnant a relevé le défi en seulement 3 minutes et 35 secondes. Et il gagne quoi? Bonne question. Vous avez jamais vu Popeye? Si, là en image, mais le nom... D'accord. Donc en image, vous l'auriez appelé comment, le gars? Monsieur Propre. Monsieur Propre, évidemment. Non, ça, c'est moi, ça. Oui. C'est quoi? Regardez, c'est ce qui s'appelle une belle sortie de route. Ça se passe à Atlanta. Cette marathonienne était à deux doigts de la victoire, mais elle s'est trompée de voie et a dévié du parcours de la course. Et oui, elle a dû quand même arriver troisième. C'est une erreur qui lui a coûté cher dans tous les sens du terme, puisqu'en arrivant troisième, elle n'a remporté que 3 000 $, alors qu'elle aurait pu en gagner 10 000 si elle n'avait pas pris la tangente. 15 secondes. Vite. 10. 9. 7, 1, 6, 5, 4, 3, attends, je vais t'aider, 2, 1, c'est perdu malheureusement Charlotte. Ça va, tu t'es pas fait mal? Non Cyril, ça va, merci.